RTL, à la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Calogero pour son nouvel album, Les Feux d'Artifice. Et si vous voulez vous rendre compte de la beauté de cet album, écoutez ce qui suit. On allait aux feux d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis qui glissent, en retombant vers l'océan. Perdu au fond de sa classe, il s'en mêle, il se débat avec le coriace, pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi parent ne prend pas d'ess. Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Fidèle à ses idées, fidèle à rien du tout, fidèle à sa moitié, fidèle jusqu'au bout. Et voilà, c'est un medley, un florilège de l'album. Ça vous plaît? Ça me fait plaisir, vraiment, oui. Parce qu'on entend, on entend que un jour au mauvais endroit, qu'on écoutera tout à l'heure, évidemment le premier titre. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu en plus, mon album, alors j'écoute d'entendre comme ça. Vous en souvenez plus? Mais avouez que c'est une très belle chanson. Et puis alors, ça me permet justement de vous interroger sur l'ensemble des thèmes que vous évoquez, parce que c'est vrai que sont des chansons comme ça très à l'écoute, très joyeuses. Oui. Et en réalité, quand on prend le temps d'écouter tout d'un coup, on tend l'oreille, peut-être à la deuxième écoute ou Bah oui, ça, c'est la chanson française que j'aime, c'est-à-dire comme ça, un air qu'on retient, qu'on entend à la maison ou dans sa voiture. Et puis quand on réécoute plusieurs fois, il y a du fond. C'est ce qui, à mon avis, fait mieux vieillir une chanson quand il y a du fond. Alors, il y a des thèmes qui me touchent particulièrement dans cet album. C'est vrai que la famille recomposée, c'est une chanson, il y a un peu d'humour, mais c'est ce que je vis. C'est vrai, il y a une sorte de famille moderne, c'est que. Oui, qu'on peut être heureux quand même. Aujourd'hui, dans les écoles, je pense qu'il doit y avoir deux ou trois enfants où les parents sont encore ensemble.
Moi, les miens sont encore ensemble, mais c'est notre génération. Et c'est vrai qu'on peut aussi être heureux avec une organisation différente. Voilà, il y a deux brosses à dents, il y a deux cartables. Et deux fois plus de cadeaux pour Noël. Deux fois plus de cadeaux, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à mon avis. Mais c'est moins tabou qu'avant. Quoi. Et en plus, vous jetez un œil donc sur les enfants de ces jeunes générations, mais il y a aussi d'autres moments dans l'album où vous repensez à votre enfance à vous. Oui. Toutes les enfances. C'est souvent lié à l'enfance, parce que c'est ce qui nous marque à vie, quand même. Et je sais bien. Malheureusement, heureusement. On ne guérit jamais de son enfance, disait l'autre. Oui, mais le portrait, par exemple, ça fait pleurer. Alors, le portrait, c'est une photo qui m'a bouleversé, qu'un ami, Eric Lopez, mon directeur artistique, m'a montré, qui était un enfant qui dort à côté de son lit, sur un parquet. Et il a dessiné sa maman à la craie et il est à l'intérieur du dessin. Cette photo m'a bouleversé. Et j'ai immédiatement composé une musique à partir de la photo avec mon frère Gioacchino. On s'est mis à quatre mains. Et on a montré cette photo à Paul Ecole, qui est un jeune auteur qu'on ne connaissait pas, mais qui m'avait donné les feux d'artifice, ce texte-là. Donc j'avais beaucoup aimé sa plume et je trouvais que ça pouvait bien aller avec cette photo. Donc et ça donnait le portrait. La chanson est magnifique. Bon, évidemment, ça fait un peu pleurer, mais c'est bien aussi. Et puis alors il y a le il y a toutes sortes de thèmes. Même vous attaquez, si je puis dire, au mariage pour tous. Pas Mariage pour tous. C'est une chanson qui dit je suis pour le droit d'aimer qui l'on veut. Voilà. Et j'ai dit que j'étais pour le mariage pour personne. C'est pas complètement faux. Mais je veux dire. Bon, les gens peuvent s'aimer mais pas se marier. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a choqué, cette chanson-là, c'est très de l'homosexualité, homme ou femme. Ce qui m'a choqué, c'est un jour, j'ai vu une manifestation en Russie d'homosexuels qui se prenaient des coups de poing en direct. Par des gens qui passaient devant la caméra. J'étais extrêmement choqué par cette image-là. Ça m'a donné envie de faire cette chanson. Et puis voilà, et j'ai plein d'amis homosexuels et puis des jeunes que je connais qui ont vraiment. On croit qu'on a la facilité à dire à ses parents je suis homosexuel. C'est pas vrai, c'est très dur encore aujourd'hui. Mmh. On a vu le cas il n'y a pas très longtemps de parents qui voulaient exorciser leur enfant. C'est vrai. C'est très mal terminé. Le gamin s'est suicidé quand même. Et donc voilà, ça me touche beaucoup, donc il fallait que je fasse cette chanson. Et puis il y a cette magnifique chanson qu'on va entendre tout à l'heure, Un jour au mauvais endroit. Mais d'abord, on marque une petite pause et puis on va retrouver les rumeurs du net vous concernant. Et alors, il y a des gros dossiers. Ah bon, incroyable. Un dossier Chouquette, vous allez voir. On va sortir.